Eh ben bonjour à tous. Donc beaucoup m'ont demandé le tuto pour mon petit comment dire marque date anniversaire. En fait c'est simple. J'ai découpé dans du papier donc la couleur que vous voulez. Moi j'ai pris du blanc. 6 carrés de 12 sur 12. J'ai plié au milieu. Ensuite je suis allée voir sur internet. J'ai imprimé des feuilles avec, comme vous le voyez là, les dates, les jours, du moins les dates du mois, que j'ai ensuite découpées et que j'ai par la suite collées. Ensuite, les décorations, donc moi j'ai essayé de faire en fonction du mois, donc là un puits vert, des petits oiseaux, un petit chat avec un bonnet pour l'hiver, des cœurs pour le mois de février, des fleurs au mois de mars, là un petit poisson pour le mois d'avril, le mois de mai un petit aquarium avec des fleurs, juillet en juin les petites tortues, en juillet une petite abeille, des coccinelles, des petites fleurs, en août j'ai fait un petit cocktail avec des fruits. Ensuite, donc au mois de septembre, j'ai des crayons, ciseaux. J'ai mis un petit buste parce qu'évidemment c'est la rentrée. En octobre, le mauvais temps revient. Donc un peu de bottes et un petit parapluie, des petites gouttes. Ensuite en novembre, il commence à faire froid. Donc on commence les petites douceurs, du café chaud, chocolat chaud, tout ce que vous voulez. Et décembre, avec le petit traîneau du Père Noël, des petits cadeaux. Après, je pense que chacun est libre de faire en fonction de comment dire, de ses envies. Ensuite dessus, donc j'ai collé un ruban pour le fermer et j'ai mis une décoration par-dessus, tout simplement. Donc un carré, je vous rappelle, de 12 sur 12 que j'ai plié en deux. Après, moi j'ai fait cette taille-là, mais vous pouvez également faire en fonction de la taille que vous voulez et la forme que vous voulez. Moi j'ai trouvé que ça c'était hyper sympa comme ça dans le sac. C'est pratique. Sur internet, une feuille avec les dates, avec les jours. Et voilà. Ensuite, c'est pour le mois de janvier. Donc moi j'ai le set de tampons pour les dates de. J'ai celui-là de Stampin' Up qui est hyper pratique. En plus, l'écriture est sympa. Bon, après, on peut aussi faire les. Pour ceux qui l'ont, je pense qu'on peut aussi faire avec ça. Et sinon, voilà, tout simplement. Après, si vous voulez vraiment un autre tuto un peu plus détaillé, que je le fasse en vidéo, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci, je peux toujours le faire. Bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée, fin de journée. Donc chez moi, il neige, il fait pas beau. Et à très bientôt. Ciao, ciao.